Salut à tous, c'est un Dedaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Astergos Curse of the Stars. On va découvrir le jeu ensemble, c'est donc un RPG dans un délire mi-romain, mi-Grèce antique qui a l'air assez fun, donc on va y aller. On a un mode histoire, aventure ou défi, donc une grande aventure toujours semée d'embûches, bien qu'ils aient mis plus dangereux et redoutables, Hilda ne faillira pas et après on a le niveau défi. Ouais, on va dire qu'on est dans le niveau moyen, je pense, c'est pas mal. Alors le jeu a l'air plutôt joli. Franchement, elle est plutôt beau. C'est sûrement l'aura magique qui est trop forte ici, et moi qui pensais m'y être habitué. Ah, c'est la ville maudite d'Af. D'Afès peut-être. Après tout. Oh non, toutes mes affaires ont disparu. Par la malpeste, il ne manquait plus que ça. Alors, on peut donc se déplacer, regarder autour de nous, et appuyer sur F pour les objets qui... D'accord. Bah, let's gong, hein, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Interagir. Base du combat. Les attaques de base se divisent en deux catégories, les attaques et les techniques. Chaque type d'arme dispose d'effets de techniques différentes. Ok. Par exemple, la technique à l'épée et au bouclier consiste à bloquer les offensives ennemies en levant le bouclier, tandis que c'est un marteau et une attaque chargée. Ok, bah écoute, on va voir. La barbe, certaines de mes armes ont disparu, que c'était passé pendant que j'étais inconsciente. D'accord, donc on a un épée bouclier et aussi un marteau. D'accord, effectivement, ça promet d'être du lourd. De la baume, heureusement qu'il n'est pas tombé du sac. Ok. Bah écoute, bah, ça me va. Donc là, on découvre hein, vraiment le jeu, vérifier. Ordre spécial de la Légion. Par présent, je déclare Hilda guerrière de la Légion apte à agir en mon nom. Je lui confie pour mission d'aller inspecter les ruines de la cité antique d'Afès à la recherche d'unités déployées pour mener opération Cendrevent. Ok. Et bah, let's go, on va voir. Le jeu est beau, franchement. Je trouve que le jeu est plutôt beau. L'héroïne est sympa. En tout cas, elle a une bonne tête. On peut courir, sauter, se battre. Donc, on a aussi une attaque lourde. Ok, bah, on y va, hein. On y va, on découvre la suite. Alors, on a quoi, tiens? Vérifier. Je me souviens avoir subitement perdu connaissance. Bah, super, par contre, la caméra, elle est un peu dans les choux, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas par là, c'est par où, du coup? Parce que je découvre le jeu, vraiment, je voulais pas me spoiler. Ah, bah, j'imagine par ici. Est-ce qu'on peut casser ça? Bah, bien sûr qu'on peut. Allez, encore. Boum! Allez, go. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Prendre. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que... C'est plein d'énergie magique. Le niveau de pureté est extraordinairement élevé. Bon bah écoute, tant mieux hein. Premier ennemi je pense hein. Ce sont mes armes, attends, reviens, c'est mes armes frérot. Bon bah écoute, en attendant on va quand même casser ça, non? Même pas. J'arrive. Tu m'entends? Rends-moi mes armes. Attends, il y avait de la... Quand même, il y a des potions aussi, je récupère hein. Il y a un coffre là, attends, j'ai failli passer à côté du coffre. Aucun outil pour l'ouvrir, merde. Elle a dit quoi si j'avais... Si j'avais des dagues, j'aurais pu faire levier pour ouvrir. Ok d'accord, mais mes dagues, c'est eux qui me les a volés. Par contre, le jeu est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le jeu est très très beau, pour l'instant. Bon, je récupère des coffrets d'étoiles, etc. Je sais pas du tout encore à quoi ça sert. Mais bon, allons-y. On y va. Ah bah il est là. Il peut s'échapper maintenant. Non, reviens! Eh merde. Bon, il a filé, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir. Ok, donc là, j'imagine qu'on peut sauter. D'accord, on peut également grimper. Oh là, le jeu est beau, hein. Franchement, ça promet. Donc, on fait partie de la Légion. Des guerriers de la Légion. Est-ce bien un dispositif à Magistelite? Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir, vraiment. Je suis paumé à fond sur le jeu, là. Je découvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Ok, donc mon médaillon a l'air d'être attiré par ce truc-là. Bon. Sphère armillaire. Entre en contact avec une sphère armillaire, l'enregistrera en tant qu'emplacement de téléportation d'urgence pour Hilda. Utilisez la fonctionnalité de repos, restaurera vos PV. Mais fera également réapparaître les ennemis que vous aviez éliminés. D'accord. Alors, passez sur la page capacité. Sélectionnez la section de talent pour qu'Hilda puisse utiliser ses points de talent dans l'arbre de talent. Ok. Capacité. Ok, bah d'accord. Quelle est cette sensation? Je me sens pas trop mal, bon, ça devrait aller. Bon bah écoute, très très bien, j'ai envie de te dire. Ça c'est une capacité. D'accord, donc on peut effectivement se protéger. Ok, je vois. Bon.
Là, il s'échappe. Par là, peut-être. Verrouillage de la cible. Alt pour verrouiller une cible, d'accord. Donc là, ça y est, on part pour un combat. Encore, boum. Pour l'instant, ça va, je la défonce sans problème. Je peux du coup me protéger, c'est ça. Donc là, j'attends qu'il m'attaque pour voir. Ok, donc là, je l'ai contré et je peux le savater maintenant. D'accord, je vois le délire. Ok, on gagne du baume. Donc là, je pense que le gros marteau fait beaucoup plus de dégâts. Ok, donc là, faut que je tue tous les ennemis pour pouvoir passer la barre, j'imagine. Alors, on peut utiliser des compétences, d'accord. Bam! On peut mettre des coups de bouclier, d'accord. Et toi? Coup de marteau. Encore, encore. Voilà, on l'a eu. Coup de marteau. Ah, donc lui, il invoque des gens. Ok, d'accord. Il invoque des gens. Bon, bah, c'est de savater tranquille, hein. Boum! Il est mort, normalement. Je vais retrouver mes armes au plus vite. Bah ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut pour l'instant là. Je me dis ça à moi, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Ok, donc là, je vais pouvoir normalement récupérer pas mal de points de vie. D'ailleurs, je suis full life, c'est tout bon. Alors, je sais qu'on peut également... Alors, sauvegarder, c'est une chose, mais on peut également réutiliser des capacités. Alors, points d'attribut, dis-moi tout. La précision, c'est pour l'attaque. Ça, c'est pour les points de vie. Et ça, c'est, j'imagine, pour le mana. Chose comme ça. Ah bah voilà, précision. Ezo, c'est quoi du coup? Ésotérisme, bien c'était tenu pour augmenter la vitesse de récupération des PA et le taux de dégâts, d'accord. Ok, bah plutôt A, plutôt dégâts et points de vie, je pense. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et points de talent. Alors là, du coup, c'est ce qui nous permettra d'utiliser des... Ah, d'accord, gemme magique. Lorsque vous attaquez avec votre arme, vous pouvez condenser l'énergie afin de former une gemme magique, augmentant votre taux de récupération de PA. Ouais. C'est une roulade. Moins de PE, d'accord. D'accord. Lance impressionnant, augmente la portée du lancer d'objet. Sans je ne sais pas. Je vais prendre un peu tout pour débuter, mais... Ça c'est quoi? Chasseur? Chasseuse de trésors? Ah! On va augmenter les... D'accord, je vois. Eh ben on y va. Pour l'instant on récupère un peu tout, mais bon, c'est le début. On va certainement avancer dans cette direction. Je vais retrouver mes armes au plus vite. Ah! Ils sont là-bas. Bah, parfait, on les a récupérés. Interagir. Mon bâton, ma lance, bracelet, mes dagues. C'est parfait, tout est là. Bah parfait. Bah c'est cool. Maintenant on peut faire ce qu'on veut, où on veut. Après avoir récupéré toutes vos armes, vous pouvez ouvrir le menu à tout moment pour changer la configuration. D'accord. Ok, bah attends, bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Inventaire. D'accord, profil. Bouclier épée, d'accord. Je vais prendre des dagues. Et le marteau, moins fan. C'est quoi le bracelet? Une paire de bracelets faisant partie de l'équipement standard de la Légion, d'accord. Ah, pour invoquer des mines magiques. Ouais, mais non. Non plus. Je pense que dague... Dague marteau, c'est pas mal, je pense, non? Voilà, comme ça, on a vraiment le côté dague tranquille. Et marteau en cas de gros problème. Ok, bah, c'est nice, ça me va. Par contre, il y avait un espèce de... Il y avait un coffre à récupérer dans le coin, si je me trompe pas. Et le coffre, il fallait absolument avoir les dagues. Or, j'ai les dagues maintenant. Ah ouais, je peux monter par là. Bah, montons. Pour voir ce qui se passe. Ok. Ah bah, super, je suis tombé. D'accord, j'ai rien dit. Et on va essayer de retrouver le coffre. J'imagine qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Sinon, il m'aurait pas embêté. C'est quoi, ça? Je viens de bastonner avec eux? Merde! J'avais pas vraiment envie de me bastonner avec toi, de base. T'as pas l'air méchant, hein. Non, elle a pas l'air méchante, hein. Ah ouais, donc on a quand même des compétences qui ont l'air bien énervées, hein. D'accord, ok. Ah bah, le coffre est là-bas, parfait. On a plus qu'à... Ouvrir. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on a? Allez, dis-moi que ça valait le coup. Des fragments d'astrolite, je sais même pas si c'est utile. Frérot, je suis hyper déçu de la récompense, là. Je vais boire un peu pour récupérer un peu de mana. Comment je suis grave deg. Je pensais vraiment tomber sur un truc trop bien. Au final, c'est... Je sais même pas si c'est bien. Ça m'aurait demandé du temps, quoi. C'est abusé. Bon, bah... on va considérer que c'est ok, hein, écoute. Hein. Par contre, plus d'endurance. Bon, en vrai, je pense que les dagues, ça va être mon nouveau truc. Hein. Bon, les dagues, y a pas de problème. Généralement, tout va bien. On peut charger comme ça, on peut attaquer. Ok, d'accord, je vois, je découvre un. Ah, c'est quoi ça? Ah, dommage, je voulais récupérer, je ne peux pas. D'accord. Et bah, allons-y, partons dans cette direction. C'était par là qu'il fallait qu'on aille, il me semble. Ouh, vérifier.
Bon sang, ces gardes étaient définitivement des points à rien. Ces imbéciles se sont laissés dévorer par un crocodile, par les trois. D'accord. Au fait, d'où sortait ce monstre cracheur de feu? J'ai jamais croisé une telle créature. Ok, bah les gong. Et là, on avance un peu. Ouh. Attends, c'est quoi ça? C'est de la... Des points de vie. Ok, bah écoute... Let's go. Boum. Boum. Parfait, ça c'est fait. Ok, là par contre... Encore. Allez, on le savate avant qu'il fasse son bouclier, lui. Ouh, les dégâts que je prends. Oh là 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 là, les dégâts. Il fait savater. Ah non, je peux esquiver avec la touche 1. Ok, d'accord, avec la touche espace. On récupère un peu de points de vie. Baston. Boum, 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 et boum. Ok, lui, on va le savater direct. Ok, bon, on va falloir qu'on se soigne encore. On a pris légèrement cher. Ouh, niveau 2, trop cool. Je suis niveau 2. Palin, palin, palin. Pour ceux qui ont la ref. Alors, point de talent. Dis-moi tout. Capacité, point d'attribut, bah plus de dégâts. Bien sûr, on cherche pas une équipe qui gagne. Encore, faudrait-elle qu'elle gagne. J'ai envie de vous dire, point de talent. Alors, régénération plus attaque. Bien sûr. Bien sûr, on confirme. Hop là, plus de dégâts. Moi, je prends. Les dégâts. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi tout. Ouh, la cinématique avec de l'eau. Waouh, incroyable. Ouh là là. Oh mon dieu, un monstre marin. Un monstre marin. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que passe-t-il? C'est dans la merde. Oh là là. Oh, je suis dans la merde. J'ai pris une photo parce que franchement, je pense que je suis dans la merde. Par la malapeste. Ouais. Bah c'est top ça, frérot, mais Attends. Il va falloir une attaque à distance, je pense. Alors, marteau à la place, on va prendre peut-être le bâton. Ouais, voilà, c'est très bien ça. C'est nul. Mais c'est complètement pourri. Mais c'est pété du slip, ça. Allez, plus de dégâts. Ah, boum. Allez, on le savate. On esquive. Des dégâts. Non, mais frérot. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas qu'il faut viser. Allez, tu verrouilles encore. Oh, par contre, c'est stylé quand même. Oh là 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 là. Je prends tarif. Encore, des dégâts. Allez. Encore, tape. Tape, ton vieux. Oh là, vas-y, bois, tranquille. Ragène-toi, frérot. C'est pour moi, c'est cadeau. Oh! Ok, go, tu balances. Vas-y, coup de dag. Ok, c'est pas grave, t'as pris cher. Bois, mais prends pas d'arrêt maladie pour boire, frérot. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, des dégâts encore, on s'avate. Attends. Oh là là. Encore. Oh, le combat est épique, hein. Le combat est grave épique, là. Encore. Wow, elle fait des dégâts à distance aussi, le frérot, là. Ok, c'est pas grave, vas-y, on le savate. Esquive. Oh putain, non, y'a pas d'esquive. Cours, ok, cours, bois. Esquive. Bois. Tu bois ce que tu veux, mais tu bois. Faut qu'on régène. Allez, tu continues à boire. Non. Voilà, vas-y, go, tape, t'as plus le temps. Tape. Toi, t'as un frère. Oh là là, on a pris Taif. Bois. Heureusement, j'avais de la boisse de côté, hein. Non. T'es abusé. Allez, ça va te le. C'est pas grave. Tu cours. Bois. Oh, heureusement que j'avais des potions d'avance, hein. Oh, elle est super. Vas-y, ça va te le encore. Encore. Boum. Tu t'en vas. Stop. Attends-tu, ça va te. Encore. Oh là là. Encore. Ça va te le. Surtout, t'arrêtes pas. Vas-y, ça va te. Oh là, esquive. Attends, attaque à distance, tranquille, chill. Ça dérange personne. Ok, c'est ton heure. Boum. Oh non, m'a esquivé, la honte. Ok, bois, tranquille. Tu bois un orangina, peinard. Y'a pas de sponsor. Encore. Ok, tu recules. Tout va bien. Hop, encore une petite attaque à distance, tranquille. On lui fait des dégâts, peinard. Lance ta batte à distance, boum. Voilà, on l'a eu. Tranquille, on n'a pas stressé une seule seconde. On était mais genre beaucoup trop refait, quoi. S'il vous plaît, monsieur développeur, un tout petit peu de stress. Bon, j'arrête. J'en ai juste beaucoup trop fait.
J'étais en sueur et je suis en mode ouais, t'as un peu de difficulté, monsieur le développeur. J'ai claqué tout mon stock d'Orangina, c'était. Je suis content, on s'en est bien sorti quand même. On s'en est hyper bien sorti, le boss était fou là. Ouh, et on peut escalader ou pas? Ouh, grimper. Oh, trop bien. Ah ouais, je grimpe. Non, franchement, le jeu stylé, hein. C'est pas juste que j'ai débloqué des nouvelles compétences parce que faut dire la vérité, je suis pas bien fou. Allez, encore. Il peut aussi attendre, d'accord. Ok, bon, on grimpe tranquille. Je pense que les dagues, c'est peut-être pas un bon truc pour moi. Je serais plus peut-être épée bouclier version classique, quoi. Waouh, c'est stylé. C'est stylé. Astergos, Curse of the Stars. Ok, donc là, c'était le tout premier boss. On était déjà en sueur. Ça va donner quoi pour la suite? Bon, on va faire un truc tout bête déjà. Avant que tu racontes trop ta vie, je vais changer capacité. Je voudrais plus de dégâts, plus de points de vie et plus d'ésotérisme. On a bien vu à quel point c'était compliqué de lancer des sorts, donc hop. Alors, plus de ça. Furtivité, c'est pas mal. Et plus d'attaque. On confirme, on est bon. Et là, je vais changer par épée bouclier, je pense, hein, finalement. Je pense que là, c'est pas mal. Ça nous permettra d'avoir un bon... Voilà, ça va être pas mal. On pourra s'y contrer. Alors, ça, on va activer, tranquille. Voilà. Là, au moins, on sait que si jamais il y a un problème, on pourra venir par là. Avançons. Le jeu est beau, hein. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Bah, justement, j'allais dire le tombeau de la Légion. Mince. La sépulture de la Légion du Vent du Nord. Si on trouve vraisemblance, ça a été creusé récemment. Aftor et Gurnansom. J'imagine bien qu'on vous avez fini ici. Puis c'est devant guider vos âmes. C'est des gens qui a l'air d'apprécier en plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Entrons dans le donjon. Si mon orientation est bonne, je devrais accéder à la ville à partir d'ici. Bref, cette aura magique me glace le sang. Même la forêt regorge de monstres étranges qui me sont inconnus. Ça voudrait dire que la ville est... Non, je serais mieux de ne pas y penser. Accomplir ma mission doit rester ma priorité. Exactement. Ta priorité. Eh bah allons-y, on fonce, hein. Quand je pense au sort d'Aftor et Gurnansom, qu'est-ce qui a pu se passer durant l'opération Cendrevent? Bah je sais pas, mais après tout, hein, c'est pas vraiment notre problème. Hein. Nous on veut survivre, c'est tout ce qui nous compte pour nous. Hein. Ah je suis dans l'eau maintenant, jusqu'au bout là. Je peux pas remonter, ouais on peut remonter. Je vais courir sur le côté, on gagnera du temps comme ça. Ouh, on peut sauter. Attention. Wouh. Ah je suis mort. Ah j'avais pas compris qu'il fallait pas sauter. Je suis nul! J'avais pas compris qu'il fallait pas sauter! Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté direct! Bah, fallait prévenir aussi! Oui, bon, bah, fallait prévenir aussi. Fallait le dire! On en a compris, c'est bon, on va pouvoir y aller tranquille maintenant. Moi, j'ai cru que c'était. En plus, elle a dit, c'est pas le moment de glisser. Qu'est-ce qu'il fait, un dé? Bah, il glisse. Un dé, il s'en fout. Il glisse, il cherche pas. Il les refait, lui. Bon, au moins, on sait que maintenant. Il faut pas tomber dans... Faut pas glisser. Ça, on le sait, donc tout va bien. Maintenant que je suis au courant, il devrait plus y avoir trop de problèmes. Je cours. Hop là. Et donc, il faut aller où? À gauche, certainement, mais bien sûr. Ouh, tiens, et d'autres potions de vie, tiens. Du baume. Ok, et là, je peux descendre, grimper. Bah, descendons. Oh, stylé. C'est stylé la méthode, la manière dont tu descends. Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je sais pas du tout ni où je vais, ni pourquoi je vais là-bas. On peut l'ouvrir. Ah voilà, tranquille, chill, détente. Le premier coup en plus, trop fort. Là devant, cette énergie n'est pas comme les autres. Est-ce vraiment de la magie? N'y va pas! N'y va pas! Je sens qu'il faut pas que t'y... Est-ce que... Citoyen, laisse-nous sortir. Pourquoi nous bloquer ici? Ce n'est pas moi qui ai propagé ma malédiction magique, j'ai un sauf-conduit et des preuves irréfutables, vous devez me laisser passer. On est hors de question, votre sauf-conduit n'est plus valide. Rejoignez les flanades et... A l'aide, un monstre, quelqu'un va se transformer en monstre. Comment? Il avait de la stélite dans sa main et soudain, une personne dans la foule hurle. Ah! Que les trois nous bénissent, tout ça me fichu! D'accord. Est-ce une sorte de projection magique? Est-ce que ça s'est produit à Afne? Est-ce qu'il y a la malédiction? Cette région regorge de phénomènes étonnants.
Ah ouais, bah, je suis pas serein, moi j'irai pas à ta place. J'aurais dit écoute, désolé, j'y suis allé, tout va bien. Tout va bien, comment ça la Légion oui, moi tout va bien, vous en faites pas. Hein. Voilà, moi j'aurais. Oulala, je me serais. J'aurais pris mes jambes à mon cou. Ok, parfait, on récupère un peu de. C'est cool. Oulala, c'est qui lui? Un allié ou un ennemi? Plus un geste! Attendez, vous êtes Daphne? Si mes yeux ne me trompent pas, vous êtes de la Légion du Vent du Nord. Pourtant, vous êtes si jeune. Vous êtes... Ouf, faute de frappe, les messieurs développeurs. Vous connaissez la Légion du Vent du Nord? Vous savez où sont les autres? Ce n'est pas le moment. Vous, venez avec moi. Waouh! Quoi? Je croyais qu'on était potes. Oh, la violence! Mais ça va, t'arrêtes... Mais arrêtez-le! Arrêtez-le! Mais... Genre, on va essayer de te savater un peu, à notre tour, quand même. Boum! Allez! Encore, encore, encore. Ok, parfait. Non. Voilà. Parfois on l'a contré, maintenant on va pas le savater. On l'a contré, on peut le savater. Et bah parfait. Ouh, par contre j'ai plus d'endurance. Ok, parfait, mon bouclier a tanké. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrêtez-le. Ok, parfait. On le savate, on le savate, on le savate. On s'abatte encore, 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 encore. Oh là là. Allez, hop, 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 frérot. Viens me s'abatter. Raté, mon pote. Encore, encore, encore. Hop là, on va picoler même. On picole tranquille. Esquive. Parfait, c'est contré. On s'abatte, on s'abatte, on s'abatte, on s'abatte. Quoi? Quoi? Sérieux? Pour de vrai? C'est les dégâts qu'il m'a fait le bonhomme là! Heureusement j'ai de l'orangina hein. Ok bah écoute, tu veux te la jouer comme ça, regarde moi aussi je peux t'envoyer des dégâts à distance hein. Hop regarde, et en plus je vais gagner parce que je fais. Oh là là! Ok on s'abatte, on s'abatte, on s'abatte! Oh 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 oh! Ouh là là là, c'était grave chaud. Encore, 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 on s'abatte. Boum! Qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en Super Saiyan de type, il fait quoi là? Wouah! Super Saiyan! Wouah, ok, vas-y, c'est bon, ça va, on le savate, on le savate, on le savate, encore! Encore! Wouah! Des dégâts! Ça devrait être illégal! Oh là 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 là! Encore! Recule! Bois un peu, bois un peu, c'est le moment Celesto! Encore, tu savates, tu savates! Non! Oh, j'ai, bon, j'ai réussi à esquiver, j'ai réussi à esquiver! Oh là là là, les dégâts! Mon dieu, comment c'est monstrueux! Ok! Technique! Technique de fou! Et poum! On s'abatte! On s'abatte! Encore! Oui, on l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! T'es censé être mort, frérot! T'es mort là! Je suis mort ou pas? Attends, je suis mort ou pas? J'ai pas compris, je suis mort ou pas? Est-ce que je suis mort? Ah non, c'était prévu, d'accord. T'es vraiment une guerre du vent. Elle portait ses tortes sur elle, madame. De plus, madame, si vous me le permettez, voici son collier. Très bien. Laissez-moi l'examiner. Je vais vérifier sa synergie magique. Je suis pas bien là. Ah! Ah, j'ai mal. Est-elle réveillée? Excellent. Nous avons à parler, étrangère. Ah! Où suis-je? Par le vent du nord. Nous semblez tous si... différents. Qui êtes-vous exactement? Vous êtes des Aphnésiens? Oui, c'est exact. Des Aristois, pour être plus précis. C'est moi, Minerve, qui ai donné l'ordre de capturer les hommes de la Légion du Vent du Nord. Par chance, nous sommes tombés sur vous. Telle est, semble-t-il, la volonté des trois. Que comptez-vous faire de moi? Et c'est quoi, un aristois? Une question à la fois. Le terme aristois signifie que nous appartenons à la noblesse. Quel est votre nom, mon enfant? Hilda. Hilda, vous avez parcouru tout ce chemin sur hors de votre maison royale afin de retrouver Commandant Harold, n'est-ce pas? Vous avez fouillé dans mes affaires? Calmez-vous, ce n'est pas tout. Je vous ai fait passer au détecteur magique, et ainsi j'ai découvert que vous n'étiez pas une éclose ordinaire. Vous êtes la fille d'Harold. Vous? Je prends ça comme un oui. Poursuivons. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Roxane, repassez l'écho. Oui, madame. Eumène, vous tombez bien, je suis à la recherche de votre nouvelle amie. C'est rassurant de vous savoir en vadrouille, mais cessez toute forme de contact avec Harold. Il revêt une importance capitale à mes yeux. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait par votre faute? Arrêtez ça, Eumène. Vous avez semé le chaos. Et à dessein,
En plus de leurs incroyables capacités de combat, ce sont révélés des pions très efficaces. Je compte me servir de ces étrangers pour atteindre mon objectif. Vous êtes donc prêts à tous les sacrifices pour servir vos propres intérêts? Ah, vous êtes bien placé, vous êtes bien mal placé pour faire de telles paroles. Vous savez aussi bien que moi que cette ville est en décrépitude. Ouais, quelques soldats sont morts. Et alors? Quiconque se mettra en travers de ma route devra en subir les conséquences. Relâchez ces étrangers immédiatement. Vos actions ont des répercussions désastreuses. Pathétique. Vous pensez qu'élever la voix et me gratifier de votre mépris suffira à me dissuader? Notre relation n'est plus ce qu'elle était. Quant à Harold, il ne vous écoutera pas. Il n'a d'autre choix que de m'obéir. Qui plus est, ces étrangers sont totalement à ma merci. Vous voulez peut-être que je vous fasse un dessin? Vous! Vous êtes dans la capacité d'aider Harold, et vous le savez, il ne vous écoutera jamais. Vous savez, il sait se montrer plus tenace que moi quand il veut. Assez parlé, j'ai plus rien à ajouter. Je vous laisse donc. Au fait, Minerve, à l'avenir, tâchez de ne plus croiser mon chemin. Amen! Père! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, la légion de votre père est dans le pétrin. La pierre d'écho consigne plusieurs événements survenus dans la ville. Elles contiennent toujours la plus stricte vérité. Des questions? Non, ça me va. Allez. Eménide a non seulement menacé mon père, mais il a aussi poussé à accomplir sa basse besogne. Pourtant, leur mission ne consistait qu'à enquêter sur Afne. Comment en est-on arrivé là? Vous croyez? En premier lieu, selon moi, votre peuple n'aurait jamais dû venir ici. Je ne m'en prendrai pas à la Légion du Vent du Nord. Cependant, vous feriez mieux de tous quitter les lieux au plus vite. Ce sera la meilleure solution pour tout le monde. Si vous consentez à travailler avec moi, nous pourrons éventuellement mettre un terme à ce désastre en épargnant plus de vie possible. Qu'en dites-vous? Si ça signifie que mon père et mes camarades sont en sécurité, je suis prête à tous les sacrifices. Je vois. Alors, au nom de tous les partisans ici présents, soyez bienvenus parmi nous. En attendant, reposez-vous un peu. Si vous préférez, vous pouvez également discuter avec les personnes ici présentes. Vous occupez de votre équipement et de vos armes. Ok, bah écoutez, c'est un beau premier épisode. Talent. Alors, à présent, vous pouvez choisir les talents que vous voulez développer et maîtriser les armes et les capacités que vous préférez. Faites tourner un d'accord? Vous êtes au refuge, une région contrôlée par les partisans. Cette zone est un endroit sûr. Essayez de parler à tout le monde au refuge pour en apprendre davantage sur Afna. Minerve, c'est la chef des partisans. Minerve est la chef des partisans. Elle vous assignera des missions importantes par le biais de la table des guerres sur laquelle figurent les contextes actuels de chaque région majeure d'Afna. Ok. Trop bien. Ouais, tu peux canaliser. D'accord, ok. Eh ben écoutez, je pense que c'est un beau premier épisode. Le jeu est très beau, le jeu est très cool. Je le découvre avec vous. Je pense qu'il y aura très probablement la suite assez rapidement. Je vous encourage à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, bah faites-le. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.